Ils sont là, hein. Ça fait que les gens. Ah, bienvenue à toi qui voyage par l'esprit à travers l'espace et le temps dans les mondes visibles et invisibles à la recherche des sources de la sagesse et de la connaissance des anciens. Nous arrivons à la dernière partie du résumé de ce livre de Jean Blic qui vivait autour des années 300 à Rome et qui s'intitule Sur les mystères, ou parfois sur les mystères d'Égypte. Ce dernier titre pourrait laisser penser qu'il s'agirait d'une école à mystères typiquement égyptienne, alors que c'est celle d'un courant néoplatonicien qui certes est originaire d'Alexandrie, en Égypte, capitale historique de la rencontre entre les sagesses et les connaissances de tous horizons. Mais ce courant dit néoplatonicien, qui succède au médioplatonisme, en faisant entre autres encore évoluer la compréhension de ce que serait le démiurge créateur. Ce courant néoplatonicien, donc, est principalement fondé sur les enseignements de Pythagore, de Platon, d'Aristote, de certains stoïciens et de la tradition de l'ouest de la Méditerranée, qui se base sur des textes qu'on a intitulés « Oracle chaldaïque » ou « Oracle chaldéen ». Et bien qu'il puisse y avoir des persistances de la haute antiquité égyptienne, pays dans lequel Pythagore, vers moins 500, a été initié pendant plus de 20 ans, ainsi que chez les mages de Chaldée ensuite pendant 10 ans, selon les dires de Porphyre de Tyr et Jean Blic. Il reste néanmoins assez difficile de distinguer ce qui serait typiquement issu des traditions des peuples du Nil d'avec ce qui provient d'ailleurs. Hormis l'analogie d'un courant divin créateur qu'il compare au flux du Nil qui dépose le limon fertile sur les berges et la description de quelques symboles égyptiens, notamment une représentation humaine d'un dieu égyptien assis sur un lotus, comme un Bouddha, il reste cependant difficile de savoir quelle tradition a influencé quelle autre. Surtout dans cette philosophie, cette sagesse, qui s'attache à voir les similarités, les points communs, et à unifier les traditions, et qui tend à les rassembler, plutôt que d'affirmer sa particularité et sa différence. Il serait donc trompeur d'attribuer ce texte à la tradition égyptienne, en l'intitulant, comme on le trouve désormais parfois, « Les mystères d'Égypte », titre qui, selon l'édition des Belles Lettres de 1966 par Édouard Desplaces, est dû à Marcile Ficin vers 1450, qui a édité une traduction latine des versions grecques et l'a intitulée De Mysteris Aegyptiorum, Chaldaeorum, Assyriorum. Bien que sur 25 versions grecques connues, une seule portait ce titre. Pour en savoir davantage, il faudra se pencher sur les écrits des Byzantins, notamment de Psellos, écrivain vers l'an 1000, et de Proclus, de l'école néoplatonicienne d'Athènes, vers 450. Dans cette dernière partie, Abamon, ou peut-être Anébon, puisqu'il a existé une lettre de Porphyre au prêtre Anébon, l'Égyptien, le maître de Porphyre de Tyr va nous révéler quelques derniers secrets au sujet de l'union des humains avec le divin et à propos d'un état d'être particulier qu'il appelle la béatitude, et pour lequel il donnera encore des précisions en reprenant des sujets de la théurgie et de la mensie véritable et divine. 10-1.
Le culte des dieux permet d'accéder ensuite à la connaissance de ce qu'ils sont. Pour finir, il nous reste à parler de la béatitude. Tu as posé des questions variées et posé des objections diverses, puis tu doutes et ensuite seulement tu t'informes. Je reprendrai ici tes demandes dans l'ordre où tu les as introduites. Tu laisses entendre qu'il existerait une autre voie cachée vers la béatitude. Comme s'il y avait, en dehors des dieux, une route qui pût raisonnablement y atteindre. Si l'essence de tout bien et de toute perfection est contenue dans les dieux, et si la puissance d'y parvenir et les principes de cette puissance résident en nous seuls, et si c'est ceux qui sont en rapport avec les espèces supérieures qui réellement reçoivent l'union avec elles, alors le principe et la fin de tous les biens est honoré avec ferveur, et cette fin est la possession divine de la vérité et de la science intellectuelle. Et après le culte des dieux vient la conversation vers eux et la connaissance de ce qu'ils sont. Remarque, Abamon refait une description du processus qui mène à la connaissance des dieux et donc à la vérité. Il nous dit que les dieux contiennent le bien et la perfection, et que le principe et la puissance pour accéder aux dieux résident en nous, humains, et que les humains qui entretiennent par la pratique leur relation avec les dieux sont les seuls à pouvoir s'unir à eux. Et pour finir, que la finalité de la pratique, du culte, est de parvenir à une possession divine de la vérité qui s'acquiert par l'intelligence divine, qui est transcendante, non rationnelle, et au-delà de l'intelligence humaine. 10-2. L'union au Dieu n'est pas imaginaire, mais intellectuelle et donc véritable. Quel loisir reste-t-il à celui dont la pensée est arrêtée sur les dieux pour regarder en bas vers les louanges des humains? Dans ce qui suit, tu n'as pas raison de te demander si l'âme ne se forme pas au hasard des visions grandioses. Car, qu'est-ce qui pourrait être l'origine de fiction en ce qui existe réellement? N'est-ce pas la force imaginatrice qui crée en nous des fantômes? Mais aucune imagination n'est éveillée quand agit absolument la vie intellectuelle. Est-ce que la vérité ne coexiste pas au Dieu en essence? Mais n'est-elle pas établie sur les intelligibles en vertu de son harmonie avec eux? C'est donc au hasard que toi et d'autres divulguez de pareilles choses. Quant aux mésidences à l'égard des serviteurs de Dieu, que l'on traite de charlatans et de menteurs, elles n'ont aucune prise sur la vraie théologie et la vraie théurgie. Mais s'ils poussent de tels hommes à l'entour des sciences du bien, les pratiques sont avant tout hostiles à la vérité, car le mal combat plutôt ce qui est bien que ce qui ne l'est pas. Remarque, Abamon explique ici que celui dont le regard est tourné vers les dieux n'est plus sensible aux louanges des humains, à la flatterie, ou aux tentatives de manipulation et de séduction. Il dit qu'il existe un principe supérieur auquel tous les humains sont soumis, y compris les femmes et les hommes de pouvoir. Il réplique ensuite à Porphyre qu'il a tort de penser que l'âme se forme en fonction des visions grandioses, c'est-à-dire que l'âme subirait des changements produits par la beauté des cérémonies et des rituels, qui affecteraient sa sensibilité et la feraient s'attacher aux apparences, au spectacle, à la théâtralisation. Et cette âme se transformerait par notre sensibilité, par nos émotions, par les émotions produites, alors que l'âme est immuable et ne change pas.
Abba Moun dit aussi que Porphyre a tort de penser que c'est notre imagination qui est stimulée par le spectacle ou la pratique, et que nous finissions par considérer comme vraie la reconstitution symbolique et analogique de l'harmonie du monde, que l'on rejoue théâtralement lors des rituels. Car Abba Moun part du principe que c'est notre intellect divin, notre accession au monde intelligible supérieur au monde imaginaire, au monde rationnel ou matériel, qui est mis en mouvement lors de la théurgie, et que notre capacité d'élévation dans le monde intelligible nous donne la vérité et nous prémunit des illusions du monde matériel, rationnel ou imaginaire. En s'harmonisant avec les dieux, l'humain s'unit à la vérité. Autre point important, Abba Moun affirme que les détracteurs, les opposants qui considèrent les responsables du culte, les prêtres, hiérurges et théurges, comme des charlatans, ne sont pas dans l'unité, mais dans l'opposition, et qu'ils n'ont aucun impact sur ces prêtres qui, eux, sont dans l'unité, sont dans le rassemblement, dans l'union. Les prêtres ne se sentent pas offensés par ceux qui les dénigrent, car ils perçoivent le monde et les humains comme faisant partie d'un tout, peu importe les imperfections des humains ou de la matière. Et le fait que les médisants se mettent en posture d'opposition suffit à montrer qu'ils ne sont pas dans la vérité ni dans l'union, mais qu'ils se complaisent dans la division, dans l'intolérance, la partie basse de l'intellect, et sont incapables de s'élever au-dessus. 10-3. Notre capacité à conjecturer le futur que nous partageons avec les animaux n'a rien de commun avec la mensie sacrée. À propos des autres calomnies que tu adresses à la prénotion divine, tu la compares à d'autres méthodes qui ont pour but la prédiction de l'avenir. Je dis qu'il y a en nous une aptitude naturelle à présager le futur, comme chez les animaux, qui signalent les tremblements de terre, les vents, les tempêtes, avant l'arrivée des catastrophes. Je ne vois là rien qui vaille d'être estimé. En effet, c'est en vertu d'une acuité ou d'une sympathie, ou d'une commotion des puissances physiques qu'est produite une telle mensie naturelle. Cela n'a rien de vénérable ni d'hyperphysique. Et celui qui, par le raisonnement humain, par quelques recherches techniques, arrive à présager les faits dont les signes sont manifestes, comme les médecins diagnostiquent la fièvre future par les battements du pouls et les frissons, ne me semble faire rien d'appréciable ni de bon. En effet, c'est humainement qu'il conjecture et qu'il raisonne, à l'aide de nos propres pensées, au sujet des faits qui concordent avec les circonstances naturelles. Sa prévision ne dépasse pas l'ordre corporel. Si donc il y a en nous une conjecture naturelle du futur, comme la force qui agit manifestement dans tous les autres êtres aussi, elle n'a en elle-même rien d'éminent. En effet, quel bien natif, parfait et éternel peut-on espérer des choses qui nous adviennent de notre nature, qui, elle, est sujette à la genèse, à la corruption? Remarque. Abba Moun explique clairement que ceux qui s'appuient sur les observations du monde physique pour prendre des décisions et anticiper le futur ne font rien de plus que ne font les animaux, qui eux aussi ont la capacité d'anticiper et de voir venir les catastrophes. Cette capacité de prédire l'avenir basée sur l'observation, l'intuition et le raisonnement logique n'a rien de supérieur ni d'hyperphysique. Pour Abba Moun, ce n'est pas de la divination, car elle n'est pas pratiquée par notre capacité d'union avec le divin.
Il considère que toute mancie qui se sert d'un support matériel et fait des probabilités, des déductions intellectuelles, sans partir de l'union avec les divinités, n'obtiendra que des résultats à court terme et trop éloignés de la vérité. 10-4. Pourquoi la mancie divine tend toujours vers le bien, mais voile parfois le futur quand il doit être ignoré? Seule donc la mancie divine, celle qui dépend des dieux, nous fait réellement participer à la vie divine. Et, ayant en partage la préscience et les pensées divines, cette mancie nous rend aussi réellement divins. Elle nous procure le bien pur, car la bienheureuse pensée des dieux est remplie de tous les biens. Ceux donc qui possèdent cette mantique ne prévoient pas pour n'être pas heureux, comme tu le crois. Remarque, ici Abamon nous dit que ceux qui pratiquent la mancie divine prévoient pour être heureux. Ils ne peuvent en aucun cas prévoir des choses en les interprétant comme malheureuses. Abamon reprend. Car toute prévision divine du futur est bienfaisante. Et les prêtres ne présagent pas le futur pour ne pas savoir s'en servir. Mais ils reçoivent en même temps le bien, l'ordre véritable et convenable, et aussi le profit. Car les dieux donnent alors le pouvoir de se garder contre les calamités naturelles. Et quand il faut exercer la vertu, et qu'il est utile pour cela que le futur reste ignoré, ils voient l'avenir pour rendre ainsi l'âme meilleure. Mais quand il n'y a pour les âmes aucun profit de ce genre, et qu'il leur est utile de connaître l'avenir, afin que les âmes soient sauvées et ramenées vers leur origine supérieure, alors les dieux mettent au milieu de leur essence la préscience dans la mancie. Remarque, Abamon explique qu'en même temps que la capacité de prévoir, de présager, les pratiquants reçoivent aussi le bien, l'ordre véritable et le profit. Le profit, de quoi? Eh bien, le fait de savoir se servir de ces vertus qu'ils reçoivent et que la sagesse reçue leur permet de savoir s'ils doivent ou non divulguer tout ce qu'ils perçoivent. Abamon justifie ainsi que certains présages restent voilés, car en cachant des menaces potentielles, ils permettent à l'âme de rester meilleure et évitent qu'elle s'agite ou devienne instable, infestée par la colère ou la peur, et qu'elle finisse par se perdre inutilement. Surtout que nous l'avons vu, c'est en élevant notre âme que nous atteignons les hiérarchies divines et angéliques, capables d'influer sur la fatalité et d'accomplir notre destin supérieur. J'ajouterai qu'en tant que praticien des arts divinatoires, il y a une très lourde responsabilité quant aux inductions qu'il est possible de faire lors d'une consultation, et qu'il est nécessaire avant tout que nos intentions soient pures et guidées par l'un. Ces pratiques ne se font pas à la légère, en laissant libre cours à notre imagination ou à notre inspiration, qui subissent les perturbations de nos humeurs du moment, et que nous pourrions malencontreusement communiquer à nos consultants, en leur transmettant par contagion notre propre agitation, nos propres émotions, nos peurs et nos souffrances. Il est important dans ce domaine de ne pas se laisser aller à trop de précision ni d'interprétation dans la divination, car celle-ci peut transmettre autant d'inductions négatives que d'illusions naïves et excessivement positives. 10-5. La voie de la béatitude mène à l'union au Dieu et à l'âme du bien, celle du Père préessentiel. Mais j'ai déjà expliqué la supériorité de la mantique divine sur la mantique humaine auparavant.
Il vaut donc mieux t'enseigner, comme tu le demandes, la route qui conduit à la béatitude et en quoi réside son essence. C'est en partant de là qu'on trouve la vérité et qu'il devient facile ensuite de résoudre toutes les difficultés. Je dis donc que l'homme visible et intelligible, uni auparavant à la vision des dieux, s'est jointe à une autre âme en harmonie avec l'apparence humaine de la forme. Et se trouve par là dans les chaînes de la nécessité et du destin. Il faut voir ensuite comment ce corps se délivre et s'affranchit de ses liens. Il y a d'autres délivrances que la connaissance des dieux. Remarque, Abamon parle de l'homme visible et intelligible. À quoi cela peut-il correspondre? Visible et intelligible, unis dans la vision des dieux. Abamon parle probablement de l'humain préalablement conçu dans l'esprit du divin, conçu dans le monde intelligible de la pensée, le monde des formes. Il parle ici de l'idée, du concept de la forme future de son corps, avant qu'il ne soit créé, de son ADN, du programme de développement qui existe dans la graine avant qu'elle ne devienne un arbre. Car pour les anciens, l'esprit, l'idée, précède toujours le concret et la matière. Abamon reprend. L'idée de la béatitude, c'est de connaître le bien, tandis que l'idée du mal, c'est l'oubli du bien et le leurre du mal. L'une donc est unie au divin, et au contraire, la mauvaise part est inséparable de ce qui est mortel. L'idée de béatitude parcourt les essences des intelligibles par les routes hiératiques. L'autre, s'écartant des principes, s'abandonne à la mesure de l'idée du corps. L'une est la connaissance du Père, l'autre est l'éloignement de lui. Elle s'éloigne de l'idée du Père préessentiel, celui qui existe par soi-même. L'une sauve la vraie vie en la ramenant vers son Père, l'autre conduit l'homme, qui malgré tout est supérieur à la Genèse, par son âme, vers ce qui ne demeure jamais et s'écoule toujours, vers le corps physique qui subit les affres du temps. Prends donc en considération la première route de la béatitude, celle qui concerne la plénitude intellectuelle des âmes qui réside dans l'union divine. Ce don hiératique et théurgique de la béatitude s'appelle la porte qui conduit vers Dieu démiurge de l'univers, où le bien est la cour du bien. Je répète, ce don s'appelle la porte qui conduit vers le Dieu démiurge de l'univers, où le bien est la cour du bien. Sa première force est la pureté de l'âme, beaucoup plus parfaite que la pureté du corps. Vient ensuite la séparation de la pensée à la participation et à la vision du bien qui est à l'écart de tous ses contraires. Puis enfin, l'union avec les dieux donateurs du bien. Remarque, Abamon nous dit ici que le mal n'existe que dans ce qui est multiple, séparé de l'unité, corruptible, qui se dégrade avec le temps, mais n'existe pas dans ce qui est divin, dans ce qui est uni, immuable et éternel dans l'intelligible. La hiérurgie, la pratique physique et rationnelle de la magie, associée à la théurgie, la part transcendante et divine de la magie, permettent de s'unir au divin et de connaître la béatitude, c'est-à-dire d'avoir cette connaissance du bien supérieur et indicible. 10-6. La théurgie permet de présenter et de confier l'âme à Dieu. Présenter et confier notre âme à Dieu,
c'est l'étape finale de la régression hiératique égyptienne. Remarque, ici nous aurons tous en tête l'image de la pesée d'une partie de l'âme humaine, qui est multiple aussi en Égypte, dans la balance de la Maat, la déesse des grands principes et de l'harmonie. Avec à droite, Osiris, Dieu sous sa forme du bien supérieur, qui attend qu'on lui présente le défunt ou non, selon que son âme soit aussi légère qu'une plume ou non. Amamon poursuit. Après que cette route de la plénitude, voie de la béatitude, ait mis l'âme en harmonie avec les diverses parties du tout et avec les puissances divines qui sont réparties, cette voie introduit et confie l'âme auprès du démiurge universel, la mettant en dehors de toute matière, avec le seul Verbe éternel. Pour résumer, cette voie de la béatitude unit l'âme avec la puissance née de soi-même, mue par soi-même, contenant tout, puissance intellectuelle et organisatrice de tout. Cette puissance ramène vers la vérité intelligible, parfaite et active, et ramène à toutes les autres puissances démiurgiques de Dieu. De cette manière, les âmes théurgiques subsistent parfaitement dans leurs actes et leurs pensées. Cette voie de la béatitude place alors l'âme dans le Dieu démiurgique universel. Et cela est, chez les Égyptiens, la fin de la régression hiératique vers le haut. Remarque. Abamon nous explique que la voie de la théurgie nous conduit à la béatitude, qui est l'union avec la puissance divine, et que cette union, une fois atteinte, nous rend proche de la vérité et de toutes les puissances démiurgiques. On pourrait dire que cette voie amène à une connaissance qu'on ne peut plus ignorer une fois que nous en avons fait l'expérience. Pour illustrer ce phénomène, par un exemple, lorsque nous avons appris enfant que le feu pouvait nous brûler, il devient ensuite difficile d'ignorer ou d'oublier cette connaissance. De même, lorsque nous vivons cette union avec le divin, cette béatitude, il devient difficile d'ignorer ou d'oublier cette dimension et cette vérité qui est au-delà de tout, que nous avons contemplée par l'expérience. 10-7. Les hermétistes égyptiens ont transmis une connaissance simple et utile à l'humain. Les Égyptiens pensent que le bien divin est le Dieu antérieur à l'intelligence. Et quant au bien humain, que c'est l'union avec Dieu. C'est ce que Bitis a tiré de l'interprétation des livres hermaïques. Les Égyptiens n'ont pas négligé cette partie comme tu le penses. Ils nous l'ont au contraire transmise de façon convenable aux dieux. Les théurges n'importent une point pour de petites choses la pensée divine. Uniquement pour ce qui concerne la purification de l'âme, sa délivrance et le salut. Ils ne méditent pas des choses difficiles, mais sans utilité pour les hommes. Ils méditent au contraire celles qui sont les plus utiles pour l'âme des hommes. Et ils ne sont pas leurrés par un daimon d'erreur. Eux qui ont surmonté en tout la nature trompeuse et daimonienne, ils se sont élevés jusqu'à la nature intellectuelle divine. Remarque. Abamon nous explique que les hermétistes d'Égypte, tels que le mystérieux théurge Bitis, nous ont transmis que, d'une part, la méditation ne se fait pas sur des choses difficiles et compliquées, et d'autre part, que la méditation est une chose utile à l'âme humaine, qui produit véritablement des effets concrets ensuite. La plus simple des méditations et la plus épurée consiste, comme l'oraison, à rester dans une posture équilibrée, droite,
verticale, faisant le lien entre le ciel et la terre, dans le silence et l'immobilité, en faisant cesser provisoirement le flot de nos pensées et de nos sensations, sans s'endormir, en restant conscient, alerte, présent, mais pas perturbé par notre environnement, ni par nos sensations corporelles, ni par nos pensées vagabondes. Abamon nous précise aussi que ces pratiques théurgiques ont pour objectif final de purifier notre âme, en la délivrant de la matière, en l'élevant, ce qui sera salutaire pour elle-même, mais aussi pour l'équilibre de notre corps et de notre mental. Cette union est comme un retour à l'origine, à la source, et nous permet de repartir sur des bases saines et de nous libérer de nos conditionnements, de nos peurs, de nos colères enfouies. La théurgie permet entre autres de briser les cercles vicieux, les routines vicieuses, les mauvaises habitudes, les dépendances, les addictions, qui ont toujours pour origine un traumatisme, une humiliation, un manque, qui nous ont conduit à mettre une stratégie en place, un comportement déviant permettant de combler ce manque ou de nous protéger illusoirement. Ce n'est pas le but final de la théurgie, mais elle y participe. En se consacrant au rapport avec plus grand que nous, c'est l'expansion de notre conscience qui va modifier en profondeur notre être et notre comportement, notre manière de voir le monde. En remettant le bien suprême et l'amour au centre de tout, car c'est l'essence de tout, celle de Dieu, qui est présente dans tout. 10-8. Bien qu'ayant connu l'union et la béatitude, nous devrons rester vigilants tout au long de notre vie terrestre. Voilà ce que nous avons répondu sur tes doutes à propos de la mensie divine et de la théurgie. Pour finir, je prie les dieux de nous donner à toi et moi l'immuable conservation des pensées vraies et de nous accorder la vérité pour l'éternelle durée des durées et de nous faire participer à des connaissances plus parfaites sur les dieux. Car c'est en elle que réside pour nous la bienheureuse fin des dieux et la garantie d'un amour unanime des uns envers les autres. Remarque, Abamon termine en disant que bien qu'ayant eu accès à cette union et cette connaissance de Dieu, notre vie terrestre ne cessera de nous mettre dans des situations parfois difficiles, face à des émotions agréables ou non, et à des tentations multiples. Et Abamon prie les dieux que malgré tout, nous restions le plus possible et le plus longtemps proches de la vérité divine. Car cette quête n'est jamais achevée tant que notre âme est responsable de notre corps physique sensible, qui évolue sur cette planète merveilleuse où se produit à chaque seconde le miracle de la vie. Voilà, nous arrivons au terme de ce beau voyage au cœur de la théurgie des anciens. Je t'invite à poursuivre cette exploration en allant voir ce que disaient les oracles chaldéens. Ces textes que tu pourras désormais mieux appréhender, avec une meilleure compréhension, grâce à ce livre intitulé « Sur les mystères » de Jean Blic, que nous avons longuement parcouru ensemble. Les oracles chaldéens, ou chaldaïques, sont des textes attribués à Julien le Chaldéen, père de Julien le Théurge, qui, selon la tradition, a initié son fils à la magie théurgique et l'a mis en relation avec l'esprit du grand philosophe Platon. Alors, si toi aussi tu souhaites être enseigné par les anciens, il te faudra de longues heures de travail, du courage, de la persistance, de la détermination, de la pugnacité, pour t'imprégner de cette pratique et de cette tradition, mais aussi savoir lâcher le mental, comprendre,
que l'intellect rationnel n'est pas tout dans ce domaine de l'invisible. Et que les enseignements que tu recevras ne seront probablement pas ceux que tu espérais. Mais ne sois pas découragé lorsque cela se produira et accepte ce qu'ils te révéleront sur ta nature et sur la voie qui sera la tienne. Je te souhaite un bon retour en ton présent et nous nous retrouverons peut-être après ces vacances d'été pour d'autres aventures en compagnie d'autres esprits qui nous ont précédés et menés jusqu'ici. Bonne route sur ta voie et que le Seigneur veille sur toi. Non, j'ai pas dit namasté. J'ai pas dit namasté parce que c'est pas la tradition indienne. Les Indiens, là, on n'est pas chez les Indiens. Chez les Hindous. Allez, on se la refait la sortie. Bon, là, on irait peut-être se baigner, non? Qu'est-ce que t'en dis? Alors les enfants toujours nous font des belles choses sur les rochers. C'est beau, hein? Ils ont fait ça aussi. Du soleil, de la lune, des étoiles. Putain, il y en a du bordel. Hein. C'est compliqué, hein, de travailler au calme ici. Il y a du boubours, il y a du totor. Il y a un peu de tout, quoi.